On se reconnecte à l'info. Le journal de 19h vous est présenté par Linda Hamet. Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Linda, bonsoir. Bonsoir Hadjal, bonsoir à tous et on l'entame avec les titres. Une nouvelle réunion du Conseil des ministres aujourd'hui consacrée à l'examen et au débat du projet de loi de finances pour l'exercice 2024. Et nous irons dans quelques instants au Palais des Expositions retrouver Iptial Adoun à l'inauguration du SILA 2023. À travers un témoignage ce soir d'une journaliste palestinienne, nous vous ferons vivre ces scènes de peur, de panique et de désolation à Tel Aviv. Les sirènes retentissent, tout est à l'arrêt, des soldats au bord de l'explosion. La résistance palestinienne, c'est ce qu'elle a à faire. La sauvagerie sioniste exprime juste un état d'échec. Un des membres dirigeants du Hamas dans cette édition. Au chapitre humanitaire, la situation reste tragique, extrêmement difficile. Le Croissant Rouge palestinien dresse un état des lieux depuis l'hôpital Al-Quds à Gaza. Vous verrez, il manque de tout, mais refuse d'abandonner ses missions humanitaires. Au volet santé, ce soir, on se prépare à lancer la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière. C'est dans une semaine, un quota de 2 millions de doses pour commencer. Ouverture ce soir, nous le disions, du Salon international du livre d'Alger, un rendez-vous très attendu chaque année pour se procurer les nouveautés littéraires. Et puis on terminera avec du sport, aviron avec les deux qualifiés, les deux Algériens pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, présidait cet après-midi un nouveau Conseil des ministres. Il est consacré à l'examen et au débat du projet de loi de finances pour l'exercice 2024. On vous tiendra bien évidemment informé une fois le communiqué parvenu. Restez avec nous. On se déplace juste au Palais des Expositions où le Premier ministre vient d'inaugurer de son côté le Salon international du livre d'Alger. Alors depuis la SAFEX, nous avons en ligne Iptial Adoun. Tihel, bonsoir. Le coup d'envoi officiel a été donc donné pour cette 26e édition. Effectivement, Linda, bonsoir, accompagnée de membres du gouvernement. Le Premier ministre vient d'inaugurer le 26e salon de SILA, entamant sa visite par le stand de l'Armée nationale populaire. Le Premier ministre a appelé le Centre d'études et de recherche en histoire militaire à s'intéresser davantage à des sujets évoquant l'histoire de l'Algérie. Au moment où je vous parle, d'ailleurs, Ayman Ben Abdelrahman fait une halte au stand africain. Pour rappel, le continent africain est l'invité d'honneur de cette édition. Le Premier ministre n'a pas manqué notamment de réitérer le soutien indéfectible de l'Algérie à la Palestine. Donc ce rendez-vous culturel majeur affichant chaque année un grand nombre de visiteurs connaîtra une participation record engagée par l'initiative du président de la République. On vous retrouvera tout à l'heure, Iptial Adoun. Vous aurez à réintervenir sur l'ouverture du SILA officiel ce soir où, vous le disiez, les stands spéciaux consacré à la Palestine, à découvrir, puisque l'ouverture au public dès demain. Ce soir, nous pénétrons une zone restée fermée jusqu'ici, Tel Aviv, où la presse est interdite d'y accéder pour ne pas pouvoir rapporter le camouflet de l'armée sioniste. Tout est à l'arrêt chez eux. Nous avons ce soir le témoignage d'une journaliste palestinienne. Elle s'appelle Asil Omar. Nous, journalistes, nous ne sommes pas informés de ce qui se passe à l'intérieur de Tel Aviv, Asqalan et les villes israéliennes. Sur place, une destruction qu'on ne peut décrire. Chez eux, 500 000 de réfugiés ont déserté leur maison. L'aviation sioniste n'arrive pas à contenir tout ce monde qui cherche à quitter les lieux. Les écoles à l'arrêt, commerce fermé, pas d'université. La situation en déclin. Leurs soldats en dépression chaque jour, on leur demande de se préparer à une intervention terrestre. Leurs conditions psychologiques au plus mal, idem pour leur économie et militaire, ils sont détruits. Tous leurs raids et bombardements sont lancés. Anarchiquement, aucun de leurs objectifs n'a été atteint. Et la résistance palestinienne, qui reste convaincue de gagner ce combat, a réussi à mettre à nu un semblant d'une armée puissante. Khalil Abou Layla, un des dirigeants du Hamas, contacté par Karima Ben Nour.
Ils ont perdu cette réputation d'une armée invincible. La résistance palestinienne a mis fin à cette croyance dans le nord et dans le sud de Gaza, également le sud Liban, qui jouit d'une force implacable, qui peut attaquer avec beaucoup de virulence et arriver à nuire aux capacités de l'ennemi. Dans les prochains jours, nous assisterons à des faits inédits. Nous croyons en Dieu et nous croyons en la force de la résistance palestinienne pour détruire l'ennemi. En effet, depuis maintenant 19 jours, la résistance palestinienne réalise des exploits et n'a permis aucune avancée sur le terrain, même si l'armée sioniste s'est renforcée avec les jihadistes américains. Oussama Hamden, représentant du Hamas au Liban, intervenait tout à l'heure dans l'émission spéciale de Mariam Abdou. Nous agissons avec force contre les forces d'occupation et tous ceux qui participent à une quelconque coopération de la même manière. Nous refusons toute agression contre nous, nos terres et notre peuple. Les alliés de l'occupation devront en assumer les conséquences. Je dis au peuple algérien et arabe plus globalement qui manifestent leur soutien à la Palestine, aux Palestiniens et à sa cause et à sa résistance, je leur demande de multiplier les efforts pour faire parvenir leur message aux différentes parties. La bataille est partagée. La bataille est celle de tous les États et les peuples arabes. Et l'appel est lancé pour que cesse ce nettoyage ethnique. Encore des martyrs en série aujourd'hui. Et ce soir, un des journalistes d'Al Jazeera, Nesrin Dahmoun, qui a perdu plusieurs membres de sa famille. Absolument, Linda. Le correspondant d'Al Jazeera, Wael Dahdouh, qui a couvert les attaques de l'armée d'occupation depuis le 7 octobre, a perdu aujourd'hui sa femme, sa fille et son fils dans un raid de l'occupation israélienne. Des centaines de familles ont été complètement exterminées depuis le 7 octobre. Et alors que Gaza compte ses morts, la répression de l'occupation se poursuit en Cisjordanie et Al-Quds occupée. À Jenin, par exemple, des attaques ont été perpétrées dans le camp de Fejr Jenin, faisant plusieurs morts. Des habitations de familles palestiniennes dans la ville de Yatta ont été ciblées par des tirs de colons et leurs terres ont été vandalisées. Des habitations palestiniennes dans le quartier de Sheikh Jarrah ont été complètement démolies par l'armée. Une barbarie condamnée par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. En réaction à cette déclaration du secrétaire général de l'ONU, l'entité sioniste a refusé d'accorder un visa d'entrée au chef des affaires humanitaires de l'ONU, Martin Griffith. Une autre déclaration qui a retenti comme une onde de choc, celle du président turc, qui a condamné l'hypocrisie de l'Occident et refusé de qualifier le Hamas de groupe terroriste, mais au contraire a salué ce mouvement de résistance palestinienne. Autre information du jour, selon le New York Times, les raids contre l'hôpital Baptiste Al-Ahli, qui ont fait près de 500 morts. Eh bien, ces raids provenaient d'une colonie israélienne. Enfin, la Libye, ce soir, a menacé de ne plus alimenter en gaz et en pétrole les pays qui soutiennent l'occupation sioniste. On termine avec ce bilan dramatique, celui des victimes de l'attaque sioniste. Plus de 6500 martyrs et près de 19 000 blessés. L'UNRWA, l'Office de secours et de travaux de l'ONU pour les réfugiés de Palestine, qui met fin à sa mission à Gaza. L'office explique sa décision par le fait qu'il n'y ait pas de carburant, une énergie indispensable pourtant pour toutes les activités vitales. Le Croissant Rouge palestinien, lui, a du mal aussi à accomplir sa mission humanitaire. Il fait face à de nombreuses entraves et pas des moindres, avec seulement 100 bénévoles, mais refuse d'abandonner tous ses blessés entassés dans les hôpitaux. Mohamed Fethiani, porte-parole du Croissant Rouge palestinien. Ça commence d'abord par les appels à quitter urgemment les hôpitaux. Ici à l'hôpital Al-Quds, où on se trouve, il y a 4000 blessés et plus de 9000 réfugiés, avec seulement 100 bénévoles du Croissant Rouge palestinien. Nous refusons d'abandonner tous les blessés, surtout ceux dont le pronostic vital est engagé et ceux qui luttent contre la mort dans des unités de soins intensifs. Leur transport devient un danger. Ils peuvent facilement succomber. Un quotidien difficilement vivable à plus d'un titre, selon Mohamed Younes. Il est directeur du département français à l'université Al-Aqsa de Gaza.
Alors, il est important de rappeler que Gaza est soumise à une siège depuis plus de 6 ans. Israël, avec ses avions militaires et ses navires de guerre, a lancé cette guerre contre un public isolé, touchant particulièrement les enfants et les femmes. Les destructions massives touchent non seulement les immeubles civils, mais aussi les écoles, les associations. La pénurie d'électricité, d'Internet et des médicaments aggrave la situation déjà précaire. Ce qui se passe à Gaza est une situation humanitaire catastrophique. Une situation inédite. Aucune guerre au monde n'a atteint ce niveau de sauvagerie, selon Amir Douhaïr. Il est enseignant universitaire palestinien installé à Jijel. Les destructions massives et l'embargo imposé sont sans précédent. Tout est interdit. L'eau, élément essentiel et vital, la nourriture, le carburant sont proscrits à Gaza. Et à ma connaissance, je n'ai jamais eu vent de pareille barbarie dans des zones de guerre ou conflit de par le monde. C'est vraiment étrange. Une grande catastrophe à tous les niveaux. Voilà, c'était un enseignant universitaire palestinien installé depuis des années à Jijel. Il s'appelle Amir Douhaïr. Il s'exprimait au micro de notre correspondant à Jijel, Abdelhamid Zoued. Les conditions de détention des Palestiniens, une atteinte grave à la dignité humaine. Là aussi, une idée de ce qu'endurent les prisonniers à travers ce témoignage. Les conditions de vie dans la prison où j'étais sont très pénibles. Toutes les sections ont été fermées. On sent qu'ils veulent se venger de nous parce qu'ils nous violentent tous les jours, alors qu'on a des malades et des personnes âgées parmi nous. C'est un degré de violence extrême. Même sortir dans la cour nous est interdit. Et nous nous retrouvons entassés dans des cellules à cause de l'augmentation du nombre d'interpellations. Les nouveaux prisonniers sont battus dans les salles d'attente pour être enfermés. Le couloir est entièrement taché de sang, même le poste de contrôle l'est aussi. Ils ont atteint un tel degré de vengeance qu'ils nous ont même réduit les rations de pain et de repas. On a une assiette pour 5 à 6 prisonniers. En plus, chaque jour, on compte une trentaine de nouveaux détenus. Et puis, pour refermer cette page spéciale Palestine, cette réaction de vive condamnation qui émane du général à la retraite Rachid Benyellis et de l'ancien ministre des Affaires étrangères Ahmed Al-Brahimi. Condamnation et encouragement pour la résistance palestinienne. 19h12 sur les ondes d'Alger Chaîne 3. Nous l'avons annoncé au début de cette édition. Le Conseil des ministres, il a terminé ses travaux. On vient d'apprendre les décisions qui en découlent. Avec vous, Cheikh Ibn Zawi, on retient ce soir 4 importantes décisions. Oui, Linda, donc 4 importantes décisions. En attendant, bien sûr, d'avoir le texte complet du Conseil des ministres, le Conseil des ministres qui a été consacré à l'étude de la loi de finances 2024. Alors, la première décision du président de la République, c'est la réalisation de 250 000 nouveaux logements. 100 000 pour la formule LSP et 150 000 sous forme d'aide au logement rural. Une autre décision, celle de la diminution de la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, au maximum, hein, particulièrement concernant la production avicole et les produits alimentaires. Aucune nouvelle taxe ou impôt ne sera inclus dans la nouvelle loi de finances 2024 et donc n'impactera pas le citoyen. Et enfin, l'annulation de la taxe sur l'activité professionnelle au profit des artisans. Nous aurons bien sûr d'autres détails dans les prochaines éditions, Linda. A tout à l'heure, Cheikh Ibn Zawi. En bref, le Conseil de la Nation qui prévoit demain une séance pour l'adoption du texte de loi de finances rectificatives pour l'exercice 2023 et à l'Assemblée nationale, prévue également demain une nouvelle séance consacrée aux questions orales. Les députés interpelleront les ministres de l'Intérieur, de l'Énergie, Enseignement supérieur et la Santé notamment. Santé justement avec cette première à l'hôpital de Béjaïa, exécutée avec beaucoup de professionnalisme, une équipe médicale du CHU de la ville. Il s'agit d'une intervention chirurgicale éveillée du cerveau, comme le souligne le professeur en neurochirurgie, Horia Bekralas.
Nous avons lancé, et c'est une première au CHU de Bediaya, la chirurgie éveillée en collaboration avec une équipe multidisciplinaire 100% du CHU de Bediaya. Elle inclut bien sûr les neurochirurgiens, les réanimateurs, les kinésithérapeutes et les orthophonistes. Cette chirurgie éveillée s'adresse aux malades porteurs de tumeurs cérébrales bénignes. Cette chirurgie, le malade est là, il participe avec nous. Quand on opère la tumeur, on lui demande de parler, on lui demande d'exécuter certains gestes et à partir de là, on va vers une exérèse totale tout en préservant les fonctions cognitives du patient. Le malade n'a pas besoin ni de radiothérapie ni de chimiothérapie après l'intervention. Donc, on préserve une qualité de vie excellente pour le patient. Santé toujours avec la grippe saisonnière. La vaccination débutera la semaine prochaine. Ont été acquis 2 millions de doses. En attendant une autre quantité, elle sera définie en fonction des besoins. L'Institut Pasteur a commencé d'ailleurs la distribution à travers des quotas aux centres de santé, hôpitaux et pharmacies. Commerce, des mesures ont été prises ce soir pour réguler le marché et assurer l'approvisionnement en produits de consommation, y compris les légumineuses et le lait subventionné. On a appris ce soir le décès du comédien algérien Abdelhalim Zribi. Il avait 60 ans, il était connu pour ses nombreux rôles au théâtre, au cinéma et à la télévision nationale. On passe à vous, Sidi Ahmed Fethi. On va parler essentiellement ce soir aviron avec les deux qualifiés pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Bonsoir. Bonsoir à tous. La rameuse algérienne Nihad Ben Chedli a obtenu un visa pour participer aux Jeux Olympiques pour la première fois de sa carrière. Ben Chedli s'est qualifié pour les JO de Paris 2024 après avoir remporté la médaille d'or en finale du championnat d'Afrique d'aviron dans la catégorie skiff poids lourd. Ben Chedli participera donc pour la première fois aux Jeux Olympiques. De son côté, Sidi Ali Boudine a obtenu son visa olympique après avoir remporté la médaille de bronze au championnat d'Afrique en cours en Tunisie. Boudine participera lui pour la troisième fois aux Jeux Olympiques et pour la deuxième fois consécutivement. On va l'écouter justement sur cette qualification. Prêt à participer à mes troisième Jeux Olympiques. Je suis très très content parce que la saison elle était très très longue, difficile moralement, difficile physiquement aussi. Très content pour cette qualification. J'espère que le travail va continuer. J'espère représenter l'Algérie de mon mieux à Paris 2024. Outre la qualification donc de Nihad Ben Chedli et de Sidi Ali Boudina aux Jeux Olympiques, la moisson algérienne durant ces championnats d'Afrique d'aviron en Tunisie aura été d'un très bon niveau. Nos encouragements pour nos athlètes. Voilà qui termine cette édition 19h17 sur les ondes d'Alger Chaîne 3. À suivre la météo de Karima Benoud dans quelques instants. Cette édition a été réalisée par Aïcha Hammer et Sidi Ali Toubal. Le prochain point de l'actualité 20h avec Sofiane Savli. Bonne soirée à tous.